L'inquiétude à Eilat, alors que débutent les vacances de Pâques juive et que des milliers de touristes sont attendus dans la station balnéaire. Dans la nuit de mercredi à jeudi, au moins 3 roquettes ont visé cette localité du sud d'Israël. Une attaque en provenance de la péninsule du Sinaï, qui n'a cependant causé ni victimes ni dégâts. Alertés par des habitants qui disent avoir entendu plusieurs explosions, les forces de sécurité ont mené des fouilles pendant de longues heures à la recherche d'éventuels débris. Pour sa part, l'armée israélienne affirme n'avoir reçu aucune information indiquant l'imminence d'une attaque de roquettes. Ces dernières semaines, par crainte d'une infiltration terroriste, Tsahal avait renforcé sa présence le long de la frontière égyptienne. D'ores et déjà, plusieurs responsables demandent le déploiement urgent d'une batterie antimissile Iron Dome pour protéger Eilat et ses environs. 700 millions de dollars, c'est la somme qu'Israël souhaite obtenir des États-Unis pour accélérer son programme antimissile. Cette nouvelle aide militaire permettrait à l'État hébreu de financer 4 nouvelles batteries Iron Dome, mais également d'achever le développement d'un nouveau système baptisé Baguette Magique. Celui-ci pourrait intercepter des missiles d'une portée de 70 à 250 km et serait parfaitement complémentaire avec le système Iron Dome, plutôt adapté aux tirs de roquettes. Responsables américains et israéliens mèneraient actuellement des négociations avancées sur ce dossier. Du côté du Congrès, on verrait plutôt d'un bon œil ce nouveau marchandage. En contrepartie, Washington espère dissuader Israël de s'en prendre aux installations nucléaires iraniennes. Peut-être un tournant majeur dans la crise iranienne. The China P&I Club, un assureur clé du secteur maritime en Chine, cessera de couvrir les pétroliers transportant du brut iranien à partir de juillet prochain. Une décision lourde de conséquences dans le contexte de durcissement des sanctions occidentales à l'encontre de Téhéran. Quant aux raffineurs de Chine, premier pays consommateur du brut iranien, ils pourraient se heurter à de sérieuses difficultés dans le transport et l'assurance de leurs importations de pétrole en provenance d'Iran. L'Inde, le Japon et la Corée du Sud, autres clients de la République islamique, rencontreraient eux aussi des difficultés, ce qui soulève des questions quant à la capacité des Iraniens à exporter leur or noir. Voilà en tout cas qui pourrait précipiter une nouvelle augmentation des prix du pétrole. En hausse de 14% depuis le début de l'année, le baril de Brent coûte désormais 123$. Réunis mercredi en Arabie Saoudite, les ministres arabes de la jeunesse et des sports ont décidé de boycotter l'équipementier Adidas. Ils lui reprochent d'avoir sponsorisé le marathon international de Jérusalem, dont le parcours passait par des quartiers arabes dans la partie est de la ville annexée par Israël. Le prince saoudien Nawaf, qui présidait la réunion tenue à Jeddah, a précisé lors d'une conférence de presse que des marathons sous le thème « Jérusalem nous appartient » seraient organisés dans l'ensemble des pays arabes à la date de la tenue du prochain marathon de Jérusalem en mars 2013. Israël, qui considère la ville sainte comme sa capitale une et indivisible, n'a pas réagi à cette décision. Les Israéliens tiennent aux célébrations des fêtes de Pâques juives. C'est ce que révèle un sondage diffusé par la presse israélienne ce jeudi. Une majorité d'Israéliens, y compris laïcs, acceptent donc de changer leurs habitudes de consommation pendant 7 jours et de ne pas manger de pain en particulier. Ils seraient 56% à être favorables à la loi du Hametz, obligeant restaurants et commerces à ne pas vendre de produits non cachers pendant une semaine. Selon eux, cette réglementation est importante pour préserver le caractère juif de l'État d'Israël. Concernant le grand repas familial du Seder, il serait 61% d'Israéliens à le respecter selon la tradition.